Miffy aime beaucoup la musique. Elle apprend à jouer de la flûte à bec. Tu joues vraiment très bien, Miffy, dit Maman Pompon. Mais ce morceau demande plusieurs interprètes. Miffy dit alors: oui, je peux inviter mon amie Agathe. Elle pourrait jouer de l'accordéon. Bien sûr, répondit Maman Pompon. Et Colette Cochon joue de la contrebasse à merveille. Je vais lui téléphoner et l'inviter à se joindre à nous. Au téléphone, Colette répondit: bien sûr que je viendrai. J'aime beaucoup faire de la musique. Puis-je amener ma petite nièce Grony? Elle est chez moi cette semaine et elle joue du piano. Hélas, dit Maman Pompon. Quel dommage, nous n'avons pas de piano. Mais emmène quand même Grony. Nous trouverons sûrement un instrument pour elle. Agathe arriva peu après. Elles purent ainsi jouer en duo. Colette mit beaucoup de temps à transporter sa lourde contrebasse jusqu'à la maison de Miffy au sommet de la colline. Enfin, elles arrivèrent toutes les deux. Miffy, Agathe et Colette purent alors jouer ensemble en trio. Cela sonnait déjà beaucoup mieux. Mais Grony n'avait rien pour jouer. Ce n'était pas drôle pour elle. Nous n'avons pas de vrai piano, Grony, dit Miffy. Mais j'ai un piano miniature, un jouet. Que tu en tireras un très joli son. Maintenant, elles pouvaient jouer toutes ensemble. Ce fut vraiment de la très belle musique. C'était un triste jour de pluie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Dit Miffy. Je ne peux pas aller jouer avec mes amis sous la pluie. Eh bien, tu peux m'aider à faire la vaisselle, dit Maman Pompon. Miffy essuya donc la vaisselle. Elle balaya le sol. Merci de ton aide, dit Maman Pompon. Il pleuvait trop, impossible de sortir. Je peux encore faire quelque chose, maman?
demanda Miffy. Tu m'as déjà bien aidée, dit Maman Pompon. Pourquoi ne pas prendre tes crayons et dessiner un joli tableau? Bonne idée, dit Miffy. J'adore dessiner. Miffy dessina son jardin avec un beau ciel bleu et un grand soleil rayonnant. Mais en regardant son jardin par la fenêtre, le ciel n'était pas bleu du tout. Et le soleil ne brillait pas non plus. Il pleuvait plus fort que jamais. Que vais-je faire maintenant? Soupira-t-elle. Que puis-je faire, maman? Demanda Miffy. J'ai essuyé la vaisselle, balayé le sol et dessiné un tableau. Que dirais-tu de lire un livre? Dit Maman Pompon. Tu as raison, très bonne idée, dit Miffy. Miffy lut une très jolie histoire qui se passait sur la plage un jour ensoleillé. Elle regarda encore sa fenêtre et vit qu'il pleuvait toujours très fort. Sa maman lui dit « Miffy, si tu écoutais une jolie musique, ça te rendrait moins triste. » Alors Miffy écouta de la musique joyeuse et dansante. Mais à l'extérieur de sa petite maison, ça commençait à ressembler au pôle Nord. Tandis qu'elle écoutait la musique, la pluie s'était transformée en neige. Sa maman l'appela. Miffy, Miffy! Regarde par la fenêtre, c'est magnifique! C'est curieux, pensa Miffy. Il pleut des cordes depuis ce matin et maman dit que c'est magnifique. Miffy regarda par la fenêtre. Et que vit-elle? Tout était recouvert d'un blanc et doux manteau de neige. Le ciel était à nouveau très bleu. Que c'était beau! Miffy prit son chaud manteau et son écharpe, s'habilla et se précipita dehors où elle rejoignit ses amis pour jouer enfin. Miffy entendit un étrange grattement à la porte d'entrée. Qu'est-ce que ça peut être? Se demanda-t-elle. Elle ouvrit la porte et que vit-elle? Un adorable petit chien brun. Le petit chien remuait joyeusement la queue. Comment tu t'appelles, petit chien? Demanda Miffy. Mais le petit chien se contenta de... Miffy éclata de rire et dit « Je crois bien que ton nom est Snuffy. Veux-tu que je te donne un peu d'eau? Il fait très chaud aujourd'hui. Tu dois avoir très soif. » Miffy alla à la cuisine. Elle remplit un bol d'eau bien fraîche. Snuffy but avec joie l'eau fraîche. Miffy lui demanda. Voudrais-tu jouer avec moi dans le jardin? Miffy emmena Snuffy dans le jardin. Montre-moi ce que tu sais faire. Tu sais t'asseoir?
Snuffy s'assit. Tu sais faire le beau ? Snuffy fit le beau. Tu sais rouler sur toi-même ? Et Snuffy roula sur elle-même. Que sais-tu faire d'autre encore ? Soudain, Snuffy redressa ses oreilles et se mit à courir autour de la maison. Qu'est-ce qui t'arrive ? Demanda Miffy. Quelque chose ne va pas ? Snuffy s'arrêta devant la fenêtre de la cuisine et se mit à aboyer. Miffy s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur pour voir ce qui se passait. Et là, elle vit qu'elle avait oublié de refermer le robinet et que l'eau coulait toujours dans l'évier. Tu es vraiment une petite chienne très intelligente, dit Miffy. Quand je suis allée à la cuisine pour te chercher de l'eau, j'ai oublié de refermer le robinet. Miffy entra immédiatement dans la maison et ferma le robinet. Oh, Snuffy, dit Miffy, je n'ai jamais vu une petite chienne aussi intelligente. Tu dois avoir très faim, non? Je vais te donner un petit biscuit. Dit Snuffy gaiement. Sa petite queue remuait joyeusement. C'est vraiment très gentil d'être venu me voir. Tu peux venir aussi souvent que tu veux. Snuffy aboya gaiement. Cela voulait dire « Oui, je reviendrai ». Ce jour-là, Boris travaillait très dur. Il sciait de grosses bûches en planches. Miffy était venue le voir dans la forêt. Qu'est-ce que tu fais, Boris ? Demanda Miffy. Je suis en train de scier de grosses bûches en planches, répondit Boris. Et que vas-tu faire de ces planches ? Demanda Miffy. Je peux faire un tas de choses avec des planches de bois, Miffy. Je vais te montrer. Boris emmena Miffy dans sa maison pour lui montrer ce qu'il avait fait avec des planches de bois. J'ai fait cette table avec des planches. J'ai fait ce banc avec des planches. J'ai même fait ces parois avec des planches. Je peux faire un tas de choses avec des planches de bois. Viens, je vais te montrer. Il emmena Miffy près de son établi. Je vais faire quelque chose de spécial pour toi. Et pendant que je travaille, tu vas essayer de deviner ce que c'est. Boris mit deux planches côte à côte sur son établi. Ça va être une table ? Demanda Miffy. Pas du tout, dit Boris. Ce ne sera pas une table. Il mit alors deux planches à chaque extrémité. Ah, je sais ! Dit Miffy. Ça deviendra un banc si on le retourne. Non, dit Boris. Ça ne deviendra pas un banc. Il rajouta deux autres planches de chaque côté. J'y suis, dit Miffy. Ça deviendra un coffre en y mettant un couvercle. Non plus, dit Boris. Il n'y aura pas de couvercle et ce ne sera pas un coffre. Boris planta des clous tout autour pour maintenir les planches ensemble. «
Boris prit ensuite un rondin. Et s'il y a quatre petites rondelles. Il fixa enfin les quatre rondelles de bois, deux de chaque côté. Tu devines maintenant ce que c'est ? Dit Boris. Bien sûr ! S'écria joyeusement Miffy. Ce sera un joli petit chariot. Bravo, Miffy, dit Boris. Ce sera bien un petit chariot de bois et il sera bientôt terminé. Miffy sautilla de joie quand elle vit le chariot achevé. C'est vraiment un très joli petit chariot, dit-elle. Merci de tout cœur, Boris. Grimpe dans ta nouvelle voiture, Miffy, dit Boris. Et je te conduirai jusqu'à chez toi. Miffy s'installa dans son joli chariot et se laissa conduire avec beaucoup d'allure. Ce matin-là, il faisait très beau et Miffy pensa. C'est un jour parfait pour rendre visite à Tante Alice. Miffy demanda à sa maman si elle pouvait aller chez sa Tante Alice. Si tu y vas, il faudra que tu lui apportes un joli cadeau, dit Maman Pompon. Miffy réfléchit. Quelle sorte de cadeau pourrais-je offrir à ma tante ? Miffy regarda par la fenêtre. Il vit de magnifiques fleurs qui poussaient dans le jardin. Et je peux cueillir quelques fleurs du jardin pour les offrir à Tante Alice ? Demanda Miffy. Mais naturellement, répondit sa maman. Miffy cueillit d'abord une belle fleur bleue. Puis une autre, jaune. Et enfin, une fleur rouge. Ces fleurs feront un très joli cadeau, pensa Miffy. Je suis sûre que Tante Alice les appréciera beaucoup. Miffy traversa la prairie pour se rendre chez sa tante. Et passa devant la maison de Colette. Salut Miffy, qu'est-ce que tu portes ? J'apporte quelques fleurs à ma tante Alice, répondit Miffy. Oh non ! S'écria Colette. Est-ce que tu t'es fait mal ? Non, ça va, dit Miffy. Mais mes fleurs sont abîmées. Je ne peux pas arriver chez ma tante Alice sans lui apporter un cadeau. Ne sois pas triste, Miffy, dit Colette. Je vais te donner une grosse botte de carottes toute fraîche de mon jardin. Ta tante va les adorer, tu verras. Oh, comme c'est gentil de ta part, Colette. Tu es mon amie, Miffy, dit Colette. Et les amis sont là pour s'entraider. Colette emmena Miffy dans son jardin et retira de la terre plusieurs carottes toutes fraîches. Elle les mit dans un panier pour les porter plus facilement. Miffy remercia chaleureusement Colette. Colette était vraiment une très bonne amie. Quand Miffy arriva chez sa tante Alice, elle lui offrit son panier de belles carottes. Sa tante fut très contente. Miffy raconta à sa tante Alice comment Colette l'avait aidée.
Miffy, lui dit Tante Alice, tu as de la chance d'avoir une telle amie. On ne peut pas être heureux sans amis. On ne peut pas être heureux non plus sans biscuits tout frais, dit Tante Alice, en posant devant Miffy une assiette de biscuits odorants sortant tout droit du four. Pensa Miffy. Ma tante Alice est aussi une très bonne amie. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là et tous ensemble. Belle